Bien sûr. Non mais honnêtement, je faisais ça aussi pour voir si vous suiviez, voir si vous étiez à la page. Attends, mais là c'est ventilateur contre ventilateur contre ventilateur. Ah mais du coup en fait le ventilateur, excusez-moi, j'apprends. En fait le ventilateur du processeur va souffler l'air chaud vers l'avant, c'est ça? Où il aspire vers l'avant. On va remettre ça. Il aspire. Et il le jette. Bah donc c'était bon. Oui non, en fait c'est bon. Ouais. C'était bon. Ouais. Non mais c'est bien. C'est bien, il faut que je comprenne ce que je fais. Merde. Non, très bien. Parfait. Eh bien, nickel. Pardon. Tout est branché, là. Hop. Attends, j'ai oublié un truc. Pourquoi il me... Le PC peut démarrer. Attends, la pâte thermique. Je suis stressé, on va essayer de l'allumer, mais ça me fait un peu peur. Hein. La pâte, ouais, mais la pâte, je fais que... Je la fais galérer, la pâte. La pof. Ok, on va voir. Au pire, on a cassé un PC. Ok, bon, juste le fond d'écran. Hop. Eh ben, il fonctionne très bien. Ah bah super. Je viens littéralement d'appuyer sur la touche Windows de mon PC. Par réflexe, en fait. Excusez-moi, c'est bon. Allez. Bah c'est bon. C'est bon. Placé dans la zone. Ouais, ça c'est bon. C'est un réflexe qu'on peut avoir. Ok. De toute façon, on n'a pas grand chose à vous de nos journées, donc on peut prendre notre temps. Hop, ok. Ici, c'est carte graphique, c'est ça. Hop. Vous pensez que j'aurais peut-être dû mettre la clé USB pour mettre les applis, ouais. Mais les tests sont bons, non? Bon, on testera celui-là, les autres. Non, t'inquiète. Non, ça va. En vrai, ça va. Ah bon, elle est toute mignonne, la carte graphique. Bah oui, on va la retirer, oui. Bah oui, on va ouvrir ici, bien sûr. Oui. Pardon. Nickel. On va lui installer donc la nouvelle carte graphique qui est juste ici. Ok. Utiliser, donc ça c'est la nouvelle, hop, super. C'est vrai que pour le coup, même moi j'y connais vraiment rien, mais installer une carte graphique, je l'ai déjà fait. C'est vous dire. Ouais, après moi je mens pas, hein. Ma boîte elle s'appelle quand même Ne venez surtout pas. Donc au bout d'un moment, tu vois, si les gens commencent à se plaindre, oui, moi je suis venu et tout, bah en vrai... Ah, excusez-moi de vous le dire, mais c'était quand même écrit « Ne venez pas », quoi. Donc, j'y peux pas grand-chose. Je suis honnête. Ça, on peut pas me l'enlever. On ment pas sur la marchandise. Ouais. À vos risques et périls. Ah bah. Ce qu'ils veulent, les gens, mais bon. Ok. Eh bah, nickel. Il faut toujours lire l'énoncé, oui. Nickel. Attends, mais... Est-ce que je peux remettre juste la plaque? Je vais juste remettre la plaque. Merde. J'arrive pas à choper la plaque.
Ah oui, déjà il y a le verrou là. Oh, j'ai failli l'allumer comme ça. Oh, la cata. Non, ça aurait été très très grave, je pense. Le cache. Ah, c'était avant. C'était avant. On va retirer le cache. Le cache, bien sûr. Et combien ? Ah, c'était l'autre PC, putain. Allez, de toute façon, ils vont pas nous faire chier, ils y connaissent rien. Ça va très bien marcher. Ça va très 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 bien marcher. Hop, on est là, tout est sous tension, boum, on l'allume. Bah ouais, non mais ça va marcher, vous en faites pas. Faites-moi confiance un peu sur la créa de PC. Je m'y connais pas mal. Game over. Ah bon. Alors par contre, les outils... Je me rappelle plus comment je les sors, mes outils. Je me rappelle plus comment je sors mes outils. Ils étaient là. J'aimerais bien brancher ma clé USB, mais je sais plus où je la sors. Ah oui, c'est là. Hop. Nice. Ouais, elle est bien, elle est bien. Elle est bien cette clé USB là. Ils en ont rien à foutre de cette clé USB ? Ah voilà. On va mettre ça bien sûr. L'OCCT. Oula. Nice. Allez, go test. On va voir ce qui se passe pendant ce test. Bon, c'est super. 57 degrés pour le processeur, là, c'est top. Carte graphique à... Oui. On peut peut-être lui overclocker, en vrai, pour lui faire plaisir, non? C'est pas choquant, là, la température, on est d'accord, hein. Tout est bien. Pourquoi faire des tests, c'est douter de son talent. Bah ouais, c'est ce que je me dis, mais bon. Prends pas de risque. Franchement. Non mais. Elle veut un PC gaming. On va overclocker tout ça, ok? On va essayer. Ah! J'ai même pas... J'ai pas... Attends. Je redémarre. Je crois que je peux pas l'overclock. Je peux pas accepter au BIOS. Mince. Dommage. 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 Bon. Faut maintenir ? Attends, je vais tester. Ouais, il faut lire hein, les consignes. Oh là, attends, ça ressemble pas du tout à celui de tout à l'heure, là. Bon, on va faire n'importe quoi, là. Activer, désactiver XMP, Extreme Memory Profile. Overclock automatiquement votre RAM sur sa vitesse et sa tension stable nominale. C'est la façon la plus simple de overclocker votre mémoire. Boum, tiens, c'est cadeau. T'es la boss. Tu deviens la boss du game avec ça. Let's go. Appliquer les modifications et redémarrer. Vas-y, on va voir. Hein. On va voir si le PC surchauffe ou pas. Hein. C'est juste la RAM. Je suis assez sur le cul quand je vois la précision des détails du jeu. Mais c'est sérieux, hein. C'est très sérieux, hein, par contre. C'est du très très sérieux.
voir ce qui se passe ici. C'est totalement overclocké. Aucun ressenti, genre vraiment c'est la même chose. Maintenant que vous êtes un professionnel, me conseillez-vous plutôt un CPU 8C 16T 5 GHz ou plutôt 12 cœurs 24T ou 4,6 GHz? Oh, franchement, vu comme ça, pour moi, franchement, monter à 5 GHz sert pas à grand chose, alors que les 12 cœurs vont te servir, tu vois. Moi, je prendrais le 12 cœurs, 24 threads et 4,6 GHz, tu vois. Je pense. Franchement, monter à 5 GHz, ça va pas t'apporter grand chose. J'y connais que dalle, putain. Let's go. Ok, ça, c'est good. Putain, merde, pardon. Je fais des alt-tabs sans faire exprès. Ok. Ok, toi, ton PC. Tiens, hop là, viens là. Hop, je te le mets ici. Ok, wow, on a bien bossé aujourd'hui, hein. On va allumer ce PC. On va overclocker notre propre PC de boulot, ok. On active ça. On sait jamais, pour peu qu'il y ait une game de LoL qui parte directement pendant une pause, ça peut être intéressant. Boum. On va voir ce qui se passe. Oh. On se prend l'OCCT ici. On se teste ça. Normalement, ça devrait le faire, hein, bien sûr. T'as déjà une CG de fou dans ton ordi? Ouais, c'est une 3080. Oula! Ok. 72 degrés. On s'arrête de penser lorsqu'il s'agit d'informatique. Mes oreilles dégobillent de sang. Mais je suis bien mort de rire quand même. Bah parfait, c'est nickel. C'est le but. C'est un divertissement, bien sûr. Surtout que je m'y connais de fou en informatique. Je fais ça pour le live. Ok, bah c'est good, c'est validé. On va ouvrir notre... Oh là là, on a tellement overclocké. La boîte mail s'est ouverte à une vitesse. Pour le coup, assez étonnant. Ok, je récupère ça. Vitrine déverrouillée. Vous pouvez maintenant rénover la devanture du magasin, qui vous permettra de construire et vendre vos propres PC. Oh bah alors là, ils vont pas être déçus. Vérifiez votre email pour plus de détails. Let's go. Ok. Ça c'est bon aussi. Oh putain, mais attendez, mais... Ok, les nouvelles pièces, parfait. Cher client potentiel. Quoi? Nous sommes ravis de vous offrir une opportunité unique d'agrandir votre espace de travail et vos horizons professionnels. Vous avez récemment attiré notre attention en tant qu'entreprise locale en pleine croissance avec une façade de magasin inutilisée qui ne demande qu'à être rénovée. Pour la modique somme de 500 balles, nous pouvons complètement remanier la façade de votre magasin pour vous permettre de vendre des PC et les réparer, ce qui vous permettra de générer une toute nouvelle source de revenus. Oh mais attends, on va s'en mettre plein les fouilles là. Et le mieux, c'est que nous pouvons vous promettre d'avoir fini tous les travaux en une nuit. Quoi? Mais comment ça? En effet, notre équipe d'ingénieurs et de consultants surpayés travaillera du crépuscule à l'aube pour que votre nouvelle... Mais comment ça, ils sont surpayés? Ça me coûte 500 balles, c'est pas vrai? Témoignage de client. J'arrive pas à croire qu'ils aient pu faire tout ça en seulement 8 heures. Je leur ai donné des clés, ils ont déverrouillé le potentiel de mon entreprise. Ils ont réorganisé mon entrepôt du jour au lendemain. Je ne les ai même pas engagés. Ça, c'est d'efficacité. Cette offre n'est valable que pour une courte période. Je comprends pas. Mais c'est... Non, mais moi je pense que c'est un scam en vrai. Je vais pas payer, hein. C'est sûr que c'est un scam, c'est sûr et certain. Genre, je vais leur laisser les clés, je vais partir, je vais revenir, il y aura plus rien. C'est sûr et certain. Non, non. Vendupler vos affaires. Biz. Non, non. Non, c'est ta vitrine. Mais non, mais... C'est... Mais j'y crois pas, moi. Vous avez vu la gueule des témoignages. En plus, vu ton talent en peinture, tu pourrais le faire toi-même. Je te remercie.
Félicitations, vous avez atteint le niveau 3, vous avez débloqué le processeur Intel Kaby Lake X. Merci. Non, c'est sûr. Salut mon gars, ici Gatsa. Je viens de voir des boîtiers qui déchirent dans un magasin. Tu peux m'en faire un jeune ? Moi, je kiffe le chardonnay. Il me parle de vin, mais quoi ? Peindre le boîtier jaune, ne pas personnaliser le verre, bien sûr. Ça, on le recevra. Oula, attends. On me dit que vous êtes nouvellement disponible pour effectuer des modifications informatiques. Je suis le professeur Edmund Villet. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de moi, mais ne vous inquiétez pas, cela ne saurait tarder. J'ai récemment fait des expériences portant sur l'IA appliquée aux réseaux neuronaux pour infiltrer et prendre le contrôle de systèmes informatiques complexes, comme disons un réseau de satellites. Magnifique. Avec des résultats très prometteurs. Pour ce faire, j'ai besoin d'une grande puissance de calcul. Je trouve que les cartes graphiques fonctionnent très bien. Malheureusement, mon ordinateur emprunté à une agence gouvernementale, bien sûr, n'a jamais été conçu pour supporter ce niveau de puissance et a désespérément besoin d'un nouveau bloc d'alimentation. Apportez-moi votre aide et je vous épargnerai lorsque je me hisserai au rang de chef suprême de la Terre. Il déglingosse. Faites-moi défaut et... Eh bah disons que j'ai une baignoire pleine de piranhas et je serai heureux de vous présenter. Mais quoi ? Institut du mal absolu, non mais ça va pas la tête. Installez la pièce Adata XPG Core Reactor 65 watts ou mieux. Mais c'est un voleur lui. Allez, j'accepte. Lui on a accepté. Ça c'est bon, hein. ça a été fait. Hop, supprime. Tant qu'il paye, bah en vrai. Il va payer. C'est juste que c'est l'Adata XP Core Reactor 600. Jure la musique. Yeah, man. C'est trop bien. Attends, faut que je revoie cet email. On se fout de ma gueule ou pas? Attends, juste... Main d'œuvre 170, budget des pièces 250. Adata 650. Adata 650. Ça coûte 80 balles. Je suis grave gagnant. Parfait. Installer la pièce Adata XP. Oh, c'est ça. Alors que ça s'enjaille dans le chat. Mais en même temps, là, franchement, la bande-son du jeu est incroyable. Hein. Laisse prendre en photo la liste de sons. Putain, j'avoue. Si vous voulez les sons, tiens, je vais vous les montrer là, si vous voulez les voir. Hop. Il y en a beaucoup, hein. Premier degré, la bande-son est bonne. Ah ouais, non, mais vraiment. Ah non, mais je vais vraiment en récupérer pour mes playlists, hein. C'est pas une vanne, hein. Il y a même une playlist Spotify, on vient de m'envoyer. Mais sur WhatsApp, je peux pas copier-coller, mais il y a une playlist Spotify. Des bandes de la bande-son du jeu. Voilà. Mais j'avoue, en fait, c'est que du Gavin Harrison, en fait. Les playlists Spotify sont publiques, ouais, complètement. Complètement, vous allez sur le compte Spotify Ponce Podcast et vous avez des playlists publiques, ouais, tout à fait. Ouais. Mais attends, mais c'est un autre... Pardon, j'ai cassé l'ambiance.
J'ai changé juste la... Excusez-moi. Ah, c'était le 1, ça? Mais elles sont... C'est du banger. La musique était grave bien. Pardon, je suis désolé. Faut remettre. Non. Bon, allez, ok, ok. C'était celle-là. C'était celle-là, hein? Ouais. Je... Ah non, c'est pas ça. Attends. Non. Plus bas. Ah, c'est ça. Yo! Hey! Ok! Yo! Ouais! Ok! Tout le monde! Ok! Wouh! Tout le monde! Ouais, ouais, ouais! Bon, est-ce qu'on se fait arnaquer par l'autre ou pas, là? Je me tâte. Moi, je me tâte pour le beau jeu. Moi, je me tâte pour le beau jeu à me faire arnaquer, tu vois. Attends, mais ils sont déjà partis, les PC que j'avais... Vas-y, je vais me faire arnaquer. Vas-y, acceptons l'arnaque, en vrai. Attends, j'ai commandé ce que j'avais à commander. Je fais n'importe quoi. Ah non, j'ai pas payé. Oui, toi, c'est bon. Demain, merci, au revoir. Très bien. Attends, vu la musique, on va peut-être changer l'ambiance. Mouais. C'est immonde. Yo. Huh. Attends, quoi? Ah, mais c'est... C'est pas immonde, hein. En vrai, c'est pas immonde, hein. Franchement, tu taffes là, t'es bien, hein. Bah, franchement, là... Enfin, t'es bien, t'es pas payé, mais t'es bien, ouais. Bon, attends, on va se faire arnaquer, là. Tiens. Bon, petit rappel. En gros... Quelqu'un veut nous refaire toute la façade pour seulement 500$ en une nuit. On se doute, hein, que c'est de l'arnaque, mais on le tente pour le plaisir de se faire arnaquer. C'est parti. Une nouvelle aventure, félicitations, votre nouvelle aventure va être construite. Quand vous partirez à la fin de journée, les ouvriers arriveront et votre magasin sera prêt demain matin. Ça pue le scam. Ça pue le scam. Bon, allez, fin de journée. Fin de journée, hop, on ferme, refait le plafond. Ah putain, mais j'avoue, attends. Mais oui. Oh, l'atelier de zinzin. Bah attendez, mais c'est magnifique ici, hein. Tu peux tester l'application Warmy sur ton PC? Bien sûr. Best of the resting, marking the game starting. Nine for the marginal sequence, speak sense. Rest of the beat, indecent, school cooling. Talking in barnacle, see sense, washing shore. Full get hammered, squashed by four. That superhero, not one after three. It might take two if you come after me. I'm talking
grinds on the rise. His bread are popping off, looking real caps. The only cap man a pop off is a hat. If that stick is a strap, you're a tube man a gap. Putain, le banger, what the fuck? Listening like blessing to everything odd, to everything testing. You die by the sword. Use your mirror while it's virtual reality or return as a space cowboy. Separate the sweet from the space raiders. Bottom line heavy, this is base labor. Nothing Tory. Un jeu dans le jeu. Ça me rappelle un peu RPZ. Enfin un jeu pour ton âge, ponce. Ok, waouh. Chaud de me dire ça un peu. Chaud, chaud, chaud. Effectivement, sur mon 33D, j'avais un petit niveau, ouais, je vais pas te mentir. Oh là là, oh, 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 oh. Yeah. Allez, de une game par jour, on peut pas, on n'a pas le droit, ok? La honte quoi, une game par jour, tranquille. Tranquille. Une game par jour. Tu peux pas quitter là-dessus. Une game par jour. Putain, mais même la porte, elle est trop belle, what the fuck? Attends, mais ils sont déjà là, les ouvriers, ou quoi? C'est trop stylé. C'est... Mais regardez. PC Building Simulator, disponible sur l'Epic Game Store, à 10% de réduction jusqu'au 1er novembre prochain. Ok, go. Terminé la journée, messieurs, dames. Quoi? Game over. Super naqué. What the fuck? Votre nouvelle aventure est prête. Il est temps de vous diversifier et de commencer à vendre vos propres PC dans votre magasin. Construisez votre premier PC à vendre. Ouvrez la tablette et découvrez la nouvelle application réparation et entretien. Oh la claque! Ils ont fait ça en une nuit, c'est pas vrai. Enfin, si, du coup. Ok. Attends, je vais baisser la musique, je m'entends plus, putain. Ah, je peux pas, il faut vraiment que je fasse ça, ok. Réparation et entretien est un magasin où vous trouverez des PC défectueux à vendre, réparez-les. Pour les vendre dans votre magasin, les offres seront mises à jour quotidiennement. Alors surveillez les offres journalières dans votre boîte email, bien sûr. PC livré, votre PC a été livré et vous attend sur le nouvel établi ici dans la vitrine. Tous les autres PC que vous achetez chez réparation et entretien seront envoyés dans la zone de livraison comme d'habitude. Passez au PC et voyez ce qu'il faut faire pour donner une plus-value à ce PC. Mais même ma tablette elle a changé, elle était pas comme ça. Mais qui a touché ma tablette? Et qui a touché... Mais attends, mais... Mais j'ai l'impression qu'il y a Anguille sous roche, non? Mais non, mais y a une douille, c'est pas possible. Remplacement de la RAM. Ce PC a une barrette de RAM défectueuse. Ouvrez le boîtier, retirez l'ancienne barrette, installez une nouvelle.
Mais attends, parce que installer une nouvelle, mais moi je l'ai pas encore. Je veux quitter cet endroit. Ah, je peux pas, ok. Ok, donc je peux plus baisser la musique. Je suis vraiment désolé, on va devoir réparer avec le son à balle. J'espère que vous passez une bonne soirée ici. J'espère que la soirée, monstrueuse, messieurs, dames, que vous êtes en train de danser chez vous et que ce PC Building Simulator 2 vous régale. Elle est incroyable. J'en peux plus, cette playlist est vraiment une scène, l'ambiance est monstrueuse ce soir. C'est énorme. On va réussir à brancher tout ça, messieurs, dames. Sans plus tarder, chaque chose à bon port, si je puis dire. Let's go, nous allons réparer cet ordinateur. On va le mettre sous tension et voir s'il fonctionne, bien sûr. Je prends donc ce PC, déjà je l'éteins, premièrement. Il est pas éteint en fait. Je veux éteindre cet ordinateur. On en a plus rien à foutre. Allez. En vrai, je pourrais le mettre là. Ah, il veut que... Non. Non, attends, il y a vraiment ça en vitrine? Je viens de l'arracher. Oula. Modifier le nom de l'ordinateur. Ah. Ok. 1035. Vous avez gagné un bonus pour avoir donné un nom à votre PC. Vous pouvez examiner ici comment le prix de vente de PC conseil est calculé, y compris le coût des pièces, etc. Ok. Ok, vendre le PC ici. Ok, ouais. PC à vendre. Revenez demain matin pour vérifier si le PC a été vendu. J'arrive à se vendre pendant la nuit. PC en vente, je peux jouer à Snake. Wouhou. C'est la meilleure journée de taf de ma vie. C'est de la bombe. Ok. Ok. Une vraie bande son quand même hein, qu'ils nous proposent en vrai. Ce son dans la ponce radio zéro van. Ouais, en vrai oui, cohérent. Cohérent. Oh non, l'enfer. Merci Axel, j'ai vu ton message, c'est gentil. Merci beaucoup. Je vais battre mon record. Juste let's go, Pompon a vu mon message. Non mais en vrai je vois beaucoup de messages, c'est juste que je les lis pas tous parce que bah, sinon je suis dans un live lecture, mais... Oh la tentative. Oh là là. Je suis en train de battre mon propre record là, c'est monstrueux. Je suis monstrueux. Ok. Non, je suis en train de m'auto-bloquer là, c'est pas dingue.
Mais quoi? Mais j'ai appuyé ici! Le jeu est complètement buggé! C'est trop grave! Il faut que je répare mon propre PC ou quoi? Ah mais c'est vrai qu'on a rien foutu de la journée en fait. Attendez, je vous jure j'arrive. Je peux pas me concentrer. Je peux pas me concentrer avec une musique aussi forte. Je peux pas, c'est impossible. Étant fan de musique, musicien effectivement, je vois une partition en fait quand j'entends ça, tu vois. Ok. Bon, ok, on récupère ça. On récupère. Alors, ça, c'est qui? Personnalisé, amélioré. Oui, tout à fait. On fait ça, après, on check les emails, ok? Alors, modification du type d'établi. Ce n'est pas le bon type d'établi pour la tâche en cours. Ah, oui, pardon. Excusez-moi. Non, mais même, je vais le mettre là. Mais c'est le bon, je crois. Oui, c'est ça. On va peindre ça en jaune, messieurs, dames. Jaune comme le blanc de mes yeux quand je suis défoncé. Sauf le vert, hein, je crois. Oula, ça m'éblouit. Il est beau, ce jaune, là, en vrai. C'est trop mal fait, hein. Comment ils peuvent me dire que j'ai terminé alors que c'est vraiment... Voilà. Bam, la peinture plein la carte mère, là, boum. Bah nickel, hein. Allez, tu sais quoi? On tente un truc, ce sera mon cadeau. On va voir si il kiffe, ok. Ah, ça marche pas, putain, je peux pas le faire. Merde, c'était quel jaune déjà? C'est celui-là. Attendez, je fais exprès. Je prends pas le même jaune. Pour voir, tu vois. Pour voir si le client est quand même content. L'enfer! Vas-y. Il est super. Hop, c'est mis ici. Hop, toi, tu viens. C'est immonde. Non, ça va. Ça va, non? Arrêtez, il est presque parfait. Non branché, installer la pièce. Ah oui, c'est vrai. Et après, on teste si ça démarre. Ok. Ok, on retire ça comme d'habitude, messieurs, dames, bien sûr. Il est bien personnalisé, par contre. Qu'est-ce qu'il a foutu? C'est le génie du mal, lui, non? Je sais plus. Je crois que c'est le génie du mal, lui. La data XPG Core Reactor. Ouais, mais c'est quoi comme truc à la base, en fait? Moi, j'y connais rien. Hein. J'y connais rien du tout, monsieur. Enfin, j'y connais rien. J'ai un magasin, mais... Ça veut pas dire que j'y connais grand chose, hein. C'est l'alim. Oh, elle est très bien, son alim, non? Eh oui, messieurs, dames, c'est la Pense Radio du soir. On enchaîne directement avec le prochain son, directement. Bien sûr. Ok. Question. Yeah. Tout le monde. Ouais.
Je peux pas me concentrer. Je peux pas. J'avais trop augmenté le son. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Comme ça. Non mais comme ça, comme ça. Non mais attendez, parce qu'en fait moi, je m'entends pas penser sinon. Et déjà que je pense pas beaucoup, pour le peu que je... Tu vois, faut que j'entende quoi, parce que si je le rate à chaque fois, moi... Merde, c'est celui-là. Ah ouais, vous connaissez peut-être pas ça, hein. Mais quand on pense pas beaucoup, je te jure que si on le rate, c'est dommage quoi. C'est bien dommage. On va mettre les fils, bien sûr. Enfin, la moindre des choses ici. Hop. 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 Hop, bien sûr. Hop, bien sûr. Là, les... Et heureusement qu'elle est là, celle-ci. Nickel. Hop. Hop les. Hop les. Hop les. Ah bah nickel. Nickel, nickel. On a tout ce qu'il nous faut ici. Merde, pardon. On va remettre ça quand même. Attendez, il y a des caches que j'ai pas remis sur deux PC. Allez. Tranquille. En vrai, c'est pas très très grave. C'est pas très très grave. C'est des caches qui servent pas à grand chose. C'est plus les lobbies des caches qui font en sorte de vendre ça aux constructeurs. Mais concrètement, c'est pas indispensable. Bon, ouais. Nickel. Parfait. C'est nickel. J'ai rien à dire. Le PC est pixel. Hop là. Ok. Donc ça, c'est good. Ça, c'est good. Ah oui, j'ai pas lu mes mails aujourd'hui. Putain, c'est vrai. Oh putain, j'ai tellement de boulot. Pff, 3 emails. Waouh. Ok, donc ça, je récupère quand même mes thunes. Je supprime. Qu'est-ce que je dis ? Oh ouais, non. Autant d'emails, hein. C'est quoi cette histoire? Bien le bonjour, je sais que je vous ai écrit il y a peu, mais l'art n'attend pas. Oh non, c'est encore cassante. Je planifie actuellement une nouvelle œuvre ambitieuse sur la nature du langage, et je suis arrivé à la frontière du hiéroglyphe moderne le plus simple, qui soit l'émoji. Abstrait et pourtant chargé de signification, pourrait-il être la passerelle vers la forme d'expression la plus pure? Pour en venir aux faits, voyez comment les mots peuvent entraver la communication. Avez-vous des autocollants en forme d'émoji que vous pourriez appliquer sur mon boîtier? Je sens que c'est ce qu'il me faut pour stimuler mon imagination. Que la paix soit avec vous, cassante. Oh. Appliquer des autocollants sur le boîtier. Mais j'ai... Ok. Alors. Genre là, je vais vraiment aller dans une boutique chercher... Mais j'en ai pas des emojis. Mais qui a cette merde en vrai? Eh bah c'est parfait. Ou au pire, ce que je peux faire, c'est prendre cette bombe et les faire moi-même. En vrai. Là, pour le moment, ouais, les emojis, c'est au-delà de mes compétences. Effectivement, ça va être compliqué, ouais. On verra. On verra comment gérer ça quand on aura son PC. Darby Tarquin, salutations. Il semblerait que j'ai besoin d'une mise à niveau de ma capacité de stockage car mon disque dur... Actuellement, j'ai mis sous le poids de mes fichiers vidéo. Pour être précis, j'ai besoin que vous ajoutiez 960 gigaoctets de SSD à mon stockage actuel. Un tera de SSD quasiment. J'espère que vous serez en mesure d'effectuer sans peine les ajustements nécessaires. Je laisse donc mon ordinateur entre vos mains d'experts. Adata Ultimate. Adata Ultimate 960 GB. Adata Ultimate... Non, on fera tout à la fin. Merde, mes emails. Okay. Le mec est très très précis. Il est très précis, oui. Bonjour, ici chez Réparation et Entretien, nous vous offrons les meilleurs prix du marché sur des ordinateurs d'occasion de haute qualité. Rendez-vous sur l'application et consultez nos offres. Bon, on va tout acheter, hein, de toute façon. Ça va être le but, hein, pour faire exploser notre chiffre d'affaires. Hein. Ça, c'est niveau 4, parfait. Hop. Les nouvelles pièces. Et du coup, sur l'appli, j'ai... Alors, attendez, avant d'aller au magasin, je veux voir l'appli. Ça, c'est nos ventes. C'est vide. Yes. C'est ici, voilà. Livraison le jour même. Oh bah, vas-y, on va faire ça. Hein.
nickel. Merde, pardon, excusez-moi, à chaque fois je clique hors de mon écran en voulant partir de ça, mais... Ok. Dans la boutique, on a parlé de la data, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah, peut-être ça. C'était un SSD hein, qui voulait. C'est celui-là. Ah non, c'était celui-là. C'était celui-là. Il goûte moins cher, ça m'arrange. C'est parfait. Merci Octalis. Merci Octalis qui réoffre des abonnements. Merci beaucoup. Hop, c'est celui-là, voilà, c'est ça. Let's go. Et les autocollants emoji, ça par contre... Attends. Autocollant. Pas se foutre de ma gueule non plus. Hein. Ok. Attends, si j'ai reçu les PC à réparer, ça veut dire qu'ils sont... C'est ces 3 PC à réparer? Ok. J'ai pas payé? Pardon, excusez-moi, j'ai juste mis au panier. Nickel. Merci. Bon alors, on va réparer ces PC pour se faire un max de thunes. Alors. Oh! Elle est minuscule? Compacte? Franchement, j'ai hâte qu'on arrive à des technologies où on peut avoir des PC giga compacts quand même. Parce que déjà, je trouve qu'on commence à rétrécir un peu, mais on a quand même des cartes graphiques genre la 3080 ou quoi. Elles sont genre énormissimes. Et ce serait tellement cool d'avoir des petits PC minuscules là, ce serait trop bien. Bon alors. Il y en a déjà. Ouais, mais check la 4090, c'est une dinguerie, ça fait une Play 5. Ouais, j'ai vu. J'ai vu. Non, si, franchement, c'est... J'ai vu. Je sais pas si t'as vu la taille de la 4090. Si, j'ai vu. Ouais. Oui. Vous voulez la voir? Attendez. Attendez. Ouais, après, il n'y a pas de comparatif à côté, donc c'est difficile de se rendre compte. Du coup. Ouais, non, en fait, je peux pas vraiment vous montrer, parce qu'en fait, c'est difficile de se rendre compte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un troll. Oui, c'est un troll. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais c'est la taille d'un appartement parisien, là. Y a des gens, ils vont devoir déménager pour installer une 4090. Ça, c'est la 5090. C'est putain de nimp. C'est n'importe quoi. Bon. Pièce cassée. On a tout ça de cassé. Écoutez, on va tout débrancher, déjà. Pouvoir travailler l'esprit libre. Nickel. Oh, on vire tout. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Écoutez, moi je vire tout. On voit après, ok. 1, 2, 3, 4. J'ai tout enlevé, hein. J'enlève absolument tout. Bien sûr, on va... Oh là là, qu'est-ce qu'elle était vieille, cette pâte thermique. Oh là là. Ah ouais, faire quelque chose, hein. Avec minutie.
Hop. Hop là. Et ben voilà. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Nickel. Attendez. Pourquoi t'as tout retiré? C'est pour travailler l'esprit léger, tu vois. C'est pour Et voilà. Et ça, on va le vendre 500 balles. Et ça va partir, hein. Ça va partir, ça. Hop. Oh. Allez! Ah, ils veulent pas que je... Vous ne pouvez pas vendre un PC à moitié fini. À moitié fini, à moitié fini. Écoutez... Enfin... à moitié, hein. Oh, j'aime bien ce dessous de verre, là. Putain, c'est joli, hein. Ils ont fait un bon taf, hein. Ils ont fait un bon taf, hein. Ok. Câble manquant. Hop, excusez-moi. Effectivement, j'avais pas capté qu'il manquait des câbles. Hop, on va brancher ça. On va brancher ça à ça aussi. On va brancher... Hop. Ah, c'est la lime, ça? Ah ouais. On va brancher la lime là-haut. Et puis voilà, quoi. Et puis là, on a un PC fonctionnel. Tout ce qu'il y a de plus classique. C'est assez épuré. C'est assez épuré. J'ai un peu... Ouais, c'est exactement ce que je craignais. Il démarre pas, pour le coup. Donc, il va falloir passer peut-être un petit peu plus de temps dessus. Ouais. Ouais, il va falloir peut-être se focus sur certaines choses. Alors, ça va être une bête, le machin, ok? Venez, on fait une dinguerie. Mais non, j'ai pas assez de... Il me reste 400 balles. Ouais, il était cassé. Mais tu vois ce que je comprends pas? C'est que... Ils veulent qu'on répare, mais ça coûte extrêmement cher. Enfin, moi, j'ai pas l'argent de réparer ça. Est-ce qu'on le laisse plus tard et on verra plus tard, tu vois? Je pense qu'on va faire ça, hein. Ça a bien step up, hein. Cet endroit a bien step up. Non, venez, on fait ça. Je sais ce qu'on va faire. Tout n'était pas cassé. Si, si. C'est parce que vous avez mal vu avec la, je pense, la compression de Twitch. Mais le PC était tout cassé, ouais. Si, si. Pour le coup, il était ravagé, le PC. C'était ravagé. C'était impossible de faire quoi que ce soit dessus. C'était impossible. Merci Zalamia, merci beaucoup. Non, je te jure, c'était... Zaliama, pardon. Merci beaucoup. Mais je vous jure que si. Je vous jure que la compression Twitch là-dessus, elle... C'est un peu le problème. Ouais. Non mais venez, en vrai, on répare aucun PC. On attend de gagner des thunes et on fait genre un PC, on fait un monstre. On fait un monstre. Je pense qu'on va faire ça, en vrai. Merci Tricky Man. Merci beaucoup. La compression Twitch qui fait augmenter le prix des barrettes de RAM, t'as vu? Comment tu vas récupérer des sous sans réparer le PC? Parce que j'ai d'autres clients, ceux qui m'envoient les emails. Là déjà, demain, j'ai pas mal de trucs à faire. Chaque chose en son temps. Va en mode libre pour faire ça facilement, Ponce. Mais non, je veux que ça rentre dans cette carrière, bien sûr. Je suis en train de me perdre dans le jeu, bientôt 23h, j'ai pas encore mangé. Mais en fait, ça donne envie de tester plein de trucs. Hop. Ok, je suis bien. Je profite de ce petit moment snake, évidemment, pour vous rappeler que ce contenu est sponsorisé par l'éditeur lui-même du jeu PC Building Simulator 2. Est sorti, il y a 10% de réduction
jusqu'au 1er novembre. C'est un jeu où... ce que je suis en train de faire, là, la campagne, c'est plus de 30 heures de jeu dans l'idée. Il y a un mode libre aussi qui existe. Il y a plein de choses faisables sur le jeu. Il est très complet. Et disponible sur l'Epic Game Store. Et la musique est sympathique. Par exemple, si imagine t'es en soirée. Merde. Pardon, j'ai battu mon quoi. Imagine t'es en soirée, je sais pas quoi mettre. Bah en vrai t'allumes PC Building Simulator et tu restes comme ça. Tu mets le son à fond et puis tu fais ta soirée quoi. Et en vrai tout le monde sera ravi et ça se ressent. Alors attends. Ça. Merci Nat Punisher. Est-ce que je peux le déposer là ou pas? Non. On va le remettre là-bas là. Le jeu propose une Simu Snake incomparable, effectivement. Tiens, remets-toi là, j'ai pas le temps pour toi. Là. Merci. Au niveau email... Non, attendez, je suis bien ou pas? Juste, on fait n'importe quoi, là. Au niveau email, je suis bien. Là, il y a besoin de... Ouais, la data que je recevrai demain. Cassante, les autocollants emoji. On va lui faire une belle peinture. Elle va pas... Elle va pas être déçue, je pense. Ok. Je viens d'arriver. Est-ce qu'on comprend vraiment mieux comment fonctionne un ordi ou OSF? Oui. Pour le coup, c'est hyper... En fait, c'est la réalité, quoi. C'est hyper clean. Et moi qui y connais rien, bah, juste en faisant nimp pendant 2h30, j'ai vraiment appris des trucs. Donc vraiment, genre vraiment. Bon, je termine cette journée. Merde, j'ai pas éteint mon PC ni les lumières. Félicitations pour la vente de votre premier PC. Putain, j'aurais adoré que ce soit la carcasse. Non, c'est pas la carcasse. C'est pas la carcasse, c'est le PC que j'avais mis en vitrine. Non, vous en faites pas. Bon, sinon, ça aurait été... J'ai reçu tout ça, moi. Amélioré, personnalisé. Qu'est-ce qu'il y a? Clic gauche pour... Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est celui-là, oui, voilà. Oui, voilà, c'est celui qui était en vitrine. C'est celui qui était en vitrine. Récupérer l'argent, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Ah non, messagerie, c'est plus tard. Non. On bosse et après on regarde les mails. Ça c'est la data pour l'autre. Et l'autre c'était quoi? C'est celui-là. On va prendre ça. Tarquin, Darby, ESQ Production. Ok. On va faire ça, hop. Installer la pièce à data ultimate, nanana, mieux. Bien sûr, c'est ce que nous allons faire. Tarquin Darby, ESQ Production. Il est immonde son PC. Ok, la pièce Adata. Adata Ultimate, non. C'est SSD ça. Qui dit SSD dit évidemment SSD. Et bien évidemment, ça se cache... Ça se cache dans pas mal d'endroits différents hein, pour le SSD, bien sûr. Attends, mais je peux pas juste... Non, pardon. Me dites pas, en vrai, me dites... Attendez, je passe en emote only. Laissez-moi être vraiment complètement... Ouais. Moi, franchement, vous avez vu ce que j'ai fait, hein. Je suis allé directement dans le stockage, je voulais l'installer direct. Hein. Bon, tu vois. Non mais faut, ouais voilà, je pense qu'il faut de la place en fait. C'est un lecteur. Ouais, c'est ça, c'est un lecteur. C'est pas drôle, hein. Vous rigolez, vous foutez de mon ignorance. Vous êtes en train de vous foutre de mon ignorance, là. Ok. Je suis là, je suis comme ça. Je dois installer SSD. Moi, pour moi, SSD, c'est un rapport aussi avec le stockage. Là, le stockage... Ça, c'est le cache d'alimentation, donc... Ah ! Il est pas con, celui-ci. Ouais, non, je suis assez chaud. En vrai, je suis assez chaud. Non, honnêtement, je suis assez chaud. Ok.
sais que c'est là, non mais bien sûr, ça me semble évident. Et du coup... Non mais le filtre anti-poussière est très bien. Tu voulais que je vire ça? Oui, ce sera peut-être plus pratique pour bosser. Non mais on va... Ah d'accord, c'est de l'autre côté. Oh mais d'accord. C'est abusé. Je suis en train de me dire, fallait peut-être pas l'enlever, fallait peut-être juste installer, tu vois. Ouais. Je suis en train de me dire ça, là, tu vois. Composant retiré. Ah, nickel. Pas con, celui-ci. Hop. On apprend. Stockage, c'est ça. Ok, je tente. Ok, tentative de Zbrouf. Dans ce cas-là, pas de soucis, tentative. Pas de soucis. On a déjà quelque chose ici, on va le virer. Et on va installer ça. Non. Celui-là. Parce que... C'est un SSD, d'accord ? Trop grave. C'est quoi un SSD? Alors, je saurais pas te donner une définition scientifique, mais un SSD, on va dire que c'est un espace de stockage qui est beaucoup plus rapide qu'un disque dur. Voilà. Moi, c'est tout ce que je sais. Voilà, tu mets, si tu veux qu'un jeu tourne vraiment bien, qu'il souffle plus vite et tout ça, tu mets ça sur ton SSD, tu vois. Après, je sais pas quoi te dire de plus, tu vois. Moi, je sais pas quoi te dire de plus, c'est... Mais tu vois, ici il y avait un... Bon, attends, peut-être que je vais réinstaller ça quand même, parce que... Voilà. À moins que... Oh le banger. Ok, je veux découvrir ça par moi-même. Le SSD, j'ai un putain de SSD, ok? Je dois l'installer. Je dois installer ce SSD. Ici, j'ai mon disque dur. Bien sûr, c'est à l'arrière, ouais, évidemment. Évidemment, c'est pour le coup, ouais. Et du coup, c'est collé à quoi? À la carte. Ah d'accord, ça se colle à la carte mère comme ça. D'accord. Non mais c'est vrai que maintenant vous le dites, ça me semble... Ouais. Bah tu vois, maintenant je saurai toute ma vie, vu que je me suis tapé la honte devant des milliers de gens. Et ben maintenant, je saurai toute ma vie que le SSD est directement collé sur la carte mère. Eh ouais, on apprend ici, hein. On n'arrête jamais d'apprendre. Eh ouais. Bah nickel. On va... J'enlève les motonies, hein, du coup. Hop là. Voilà. C'est pas obligé. Sérieux, c'est pas obligé? Ah. Ça dépend des boîtiers. D'accord, ok. Ah, putain, ok. Ok, d'accord. Ok, je vais tout remettre, hein, bien sûr. Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup. Le panneau de protection, déjà. Pourquoi j'ai enlevé tout ça? Pourquoi? Bah, parce que je cherchais... Ok. Je les ai retirés à suivre. Mais putain, mais non. En fait, c'est ça, mon problème. C'est que j'ai... En démontant l'autre PC, j'ai plein de trucs. Oh. Non, tu sais quoi? Ouais, on va faire ça. Et de toute façon, il avait pas l'air de s'y connaître beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste tout fermer. Hop, voilà, nickel. On voit plus rien. Là, le PC, il va tourner comme jamais. Là, c'est nice.
Évidemment. Je me régale. Nice. Hop, je vais ici, je l'allume. Il fonctionne. Et voilà. Et voilà. Le panneau devant. Ah merde. Je remettrai après, mais ça m'empêche. Oh là là, le fond d'écran est catastrophique. Ça bute des gros PC de compète ici. Exactement, Manu. Exactement. Nickel. Je mets le petit oiseau. Ça, c'est la marque de fabrique de la boîte. Hein. C'est toujours, tu passes à la maison, c'est un petit oiseau en fond d'écran. Merci, Aurel. Merci, prof, pour le raid aussi. Merci. Installez-vous. Bon, bah, nickel. C'est nickel, là. J'ai plus qu'à éteindre. J'ai oublié quoi ? Ah oui ! C'est le cache ici, hein. C'est grand ouvert, c'est bizarre, hein. C'est ça. Je suis chaud, en vrai je suis chaud. Boîtier incomplet, ah bon ? Panneau de protection. Bon, on va retirer ça. Il va même pas capter. Franchement, là, ils en demandent un peu beaucoup, quoi. Le cache d'alimentation, c'était pas là. Ah si, putain, mais si. C'était ça. Ça y est, j'y suis. Là, c'est bon, non ? Voilà ! Cache de la lime, c'est ça, ouais, c'est ça. Bien sûr. Bien sûr. Le PC peut démarrer. Non, mais ça, c'est fait. Ça, c'est bon. Je le fais quand même pour assurer le jeu. Attends, je vais l'overclock. J'active ça. J'overclock ça. Ça va le mettre très, très bien. C'est juste cadeau, c'est moi qui offre. L'overclocking, c'est moi qui offre. Je le teste quand même. Je vais tester. Je mets la clé USB, hop, je vais dessus. Je vais le tester quand même. C'est à moins des choses, hein. À vous, tu fais ça pour que quand ils reviennent plus tard quand la RAM aura grillé. Bah, c'est un truc qui peut m'arranger, effectivement, au niveau. Enfin, ouais, purement marketing, c'est intéressant. On fait un test. Oh bah, attends, mais j'ai bien fait d'overclock ça. Ça va, pas plus de 65 degrés. C'est bien. Le pire, c'est que c'est des vrais noms de logiciels. Ah ouais, non, mais tout, même les marques qu'on utilise, tout est réel. Hein. C'est parfait, le test est complètement concluant. Je serre la main de moi-même. J'éteins ce PC. Putain, c'est trop bien. En vrai, c'est trop bien fait. C'est tellement satisfaisant. C'est parti. Hop, hop, ça c'est bon. Là, pas besoin de débrancher, vous en faites pas, j'y arrive. Boum, hop là, ça c'est good. Et ça, ça part directement demain. Hop, à l'envoi. Ah oui. Elle voulait qu'on mette des autocollants sur son PC qu'on a déjà mis tout en rouge il y a quelques jours. Putain, mais attends, j'en ai là. Oh non. Non, par contre, il y a un vrai truc. Attends, elle voulait quoi déjà ? Oui, elle veut que je la régale. On s'en fout, non ? C'est terrifiant. C'est terrifiant. Clic gauche pour appliquer. Oui. Mais t'inquiète. Bon travail. Non, tu peux pas me dire ça.
C'est sur le thème de la bouffe. Par contre, faut que ce soit rempli, hein. Oh, ça va lui plaire. Oh, ça va lui plaire. Nickel. Qu'est-ce qu'on a d'autre, ouais. Oh non. Oh le Fortnite. Oh le lama Fortnite. Oh le lama Fortnite. Indispensable. Et là je vais faire ça, mais ça c'est juste pour qu'elle fasse attention. Ah merde, je peux pas. Ah. Ok. Comme ça personne ne touchera à son ordinateur. Nickel. Ça, ça part en prod. Oh, elle va être refaite par contre, hein. Il est propre. On récupère les thunes. Alors, voilà. Avez-vous des autocollants en forme d'emoji que vous pourrez appliquer? Donc c'est ce qu'elle m'avait demandé. Donc là, je récupère cet argent, parce que j'ai quand même bossé. Hop. Ici, j'ai mis la data, etc., le SSD. C'était d'une facilité déconcertante, je sais exactement où placer le SSD. Ça, c'est les offres. Je viens de lancer une nouvelle chaîne YouTube appelée Rigolon Manette en Main 469. N'hésite pas à liker ou t'abonner, MDR. Putain, j'en peux plus. Je compte jouer à Colorful Chaos Royal et faire des kills marrants et créer des mèmes de fou. Le seul hic, c'est que je ne peux pas rien, je ne peux rien faire pour le moment parce que j'ai récupéré le PC de mon daron XPTDR. Je sais, ils sont trop forts. Et que les jeux, c'est pas trop mon truc. Est-ce que tu peux arranger ça en améliorant le matos? Merci. Et n'oublie pas de visiter ma chaîne, tous les commentaires sont les bienvenus, sauf les messages négatifs, j'en veux pas, MDR. C'est trop, putain. Le PC peut lancer Colorful Chaos, configuration minimale. Il a quoi comme merde, là, du coup? Un i3. Avec... Oh là là, une 750. Ah ouais, non mais... Je sais même pas si je veux bosser avec cette personne, hein. Le PC même à 17 euros, il part pas sur le bon coin, tu sais. Mais main d'œuvre 220 euros, budget des pièces. 200 euros, mais quoi? Bon, après, il est bien opti le jeu. Il est bien opti. Ok, j'accepte. Va-t-il s'exécuter? Pour cette tâche, vous devez télécharger l'application. Va-t-il s'exécuter sur votre clé USB? Vous pouvez ensuite l'installer sur l'ordinateur d'un client et vérifier si celui répond aux spécifications requises. Mais en fait, je vais faire ça pour checker avant, peut-être. Je sais pas, je me tâte. On verra la stratégie, bien sûr. Ghost Cool. Salut mon gars, mon ordinateur est un peu lent en ce moment. On m'a dit qu'il aurait peut-être besoin de plus de RAM. Je croyais qu'une RAM, ça servait pour pagayer, mais peu importe. On m'a dit que 2 barrettes de 4 gigas... De plus, devrait suffire. Et sinon, c'est vrai que t'es genre un docteur pour ordinateur, parce que j'ai vu des trucs clignoter sur mon écran et ma copine m'a dit que c'était peut-être un virus. Non, ça c'est les différents sites pornographiques sur lesquels tu passes la moitié de ta journée qui t'envoient parfois des publicités, quoi. Mais je vais m'occuper de tout ça, y a aucun souci. Y a aucun souci, supprimer les virus, oui. On va vider l'historique et ça marchera très bien, hein. Vider le cache et c'est bon. Oui, t'as entendu parler de Matelot à la mer? C'est le jeu de simulation de pirates des mers. Et hier, ces rats de la cale du studio, les Forbans, ont enfin sorti la toute dernière version, les Eaux de la Damnation. Le seul problème, c'est que mon ordinateur n'est pas vraiment le navire amiral de la technologie. Oh, joli champ lexical de la mer, j'aime beaucoup. L'extension a introduit une toute nouvelle technologie de rendu de l'eau, et je ne peux pas la faire fonctionner. Argh. Peux-tu m'obtenir ça, la GeForce GTX 1066 gigabits, ou mieux, afin que je puisse admirer les Eaux de la Damnation dans toute leur magnificence? Et si tu pouvais le faire le plus vite possible, je t'en serais extrêmement reconnaissant. Oh non mais ça va, faut que je fasse je peux faire le ménage chez toi si t'es chaud. J'ai hâte de retourner en haute mer avec mon équipage. Il est si... Budget 550, on va le mettre bien. On va le mettre très très bien. Oh. Venez, on lui met une dinguerie. On va lui mettre une dinguerie. Ça c'est une nouvelle pièce que j'ai. Ouais. Venez, on le met bien de fou. Donc là, est-ce que j'ai fini ma journée? Ouais, bon, tous les PC à réparer... Oh mais... Je vais attendre d'avoir
les thunes pour engager peut-être quelqu'un, tu vois, même en mi-temps, tu vois, pour réparer les PC. Je pense, hein. Mais lui, par contre, on va le mettre Gucci, ouais. Alors. Donc, on a quelques commandes à faire. Lancer Colorful. Bah, ça, je peux pas savoir, donc on verra. RAM jusqu'à 16 Go, 2 barrettes de 4 Go et supprimer les virus et une carte graphique de baiser. Ok, pas de soucis. Donc, j'ai déjà oublié. Ok, de la RAM. 2 de 4 Go. Trier. Prix par ordre croissant. Et bah voilà, 35 balles, ça fera largement le taf. En DDR4 en plus, ça fait largement le taf. Hop. Ces pièces peuvent s'avérer incompatibles. Continuez. Je pense que, honnêtement, on va aller voir les... Honnêtement, monsieur, on va... Ah, mais attends, mais sinon je peux faire juste ça. Ouais, c'est ça. Je peux les prendre et faire ça. Ah, c'est ça. 50 balles. Le truc, c'est que... J'en mets deux. Il en voulait deux. Bon, là, par contre, la carte graphique, on va le mettre... Prix par ordre décroissant, on lui met... Ah mais j'ai que ça. Enfin j'ai que ça, ça va tu vois, mais j'ai même pas de genre de 2070 ou... Ah oh, je vais le prendre celle-là non. RTX 3090. J'en ai pas moi. J'aurais bien aimé mais j'ai pas. Ouais. Il veut une 1060. Voilà, bah j'ai une 1060, quoi. Attendez. Laissez-moi checker sur mon application. Non, pardon. C'était quoi déjà? Ouais, c'est ça. Il veut une 1060. Il mérite plus. En vrai, il mérite plus. Tu vois, en termes de perf, là, la Golden Edition 980 a l'air quand même... Attends, tu sais quoi? Non, attendez. J'ai une idée de fou. Moi, j'ai quoi déjà? Non, moi, je crois que j'ai une carte de fou. Merde, c'est pas... Pardon. J'ai... Attends. Ah ! Attends. Ok, viens là. Viens là. Ok. On va bosser. Ok. Je fais ça. Regarde, là, j'ai une 3080. Je vais lui mettre une 3080. Il va être refait. Ok. Si. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on lit des emails. On s'en fout, en vrai. Hop là. À la place, moi. Alors, c'est pas grave. À la place, nous, on va se mettre une petite Radeon. On se met une petite 750. On s'en fout, nous. On s'en fout. On joue pas. On s'en fout. Lui, il joue. C'est important pour lui. Vous comprenez? C'est... Pour Snake, ouais, mais Snake, ça tourne super bien même sans ça, tu vois. Hop là, le cash. En vrai, Je suis gentil, hein. Je suis quand même vraiment gentil, mais bon. Ah, merde. Ah oui, faut que je mette ça avant. Après, là, le PC, il tourne, hein, même s'il est mal fermé. Nickel. Hop là. Oh, il va être refait.
Oh, il va être refait, le gamin. Putain, c'est vrai qu'il y a une petite... tac, tac, tac. Est-ce qu'on a fini notre journée à part ça? Oui, j'ai commandé ce que j'avais à commander pour les autres. Attends, il s'allume? Il pourra peut-être pas, le budget. Mais moi, je lui offre. Moi, je lui offre. Y a pas de souci. C'est vrai que j'avais ça. Et attends, est-ce que Snake tourne toujours bien? Ah ouais, il est super fluide. Ah, il est nickel. Ça dépasse son budget, mais c'est pas grave. On lui offre. Grand prince, terrible gestion de boîte. C'est, l'écran de fond n'est pas un oiseau, je suis déçu. C'est vrai. Mais d'ailleurs, fun fact, l'écran de fond que vous voyez là, c'est littéralement l'écran de fond de mon PC. Voilà, de, sur lequel je suis là actuellement. Et il était comme ça quand je l'ai allumé dans le jeu. Ça me fume. Bonsoir les quintes. Merci à les quintes. Mais non, si, je te jure. Pareil, moi aussi. Bah, regardez, hein. Attendez, regardez. Je fais un alt-tab. Je fais un alt-tab. Je vous montre juste... C'est mon fond d'écran, quoi. Voilà. C'est littéralement mon fond d'écran, quoi. La base. Juste la base, en fait. Merci, Baptiste. Pareil, il affiche mon fond d'écran. Ah, ça affiche ton fond d'écran. Laurent Romeshko.png. C'était pour l'anniversaire de Florence, mais vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. C'était... On faisait une vanne. Vous pouvez pas comprendre. C'est quoi cette merde? Oui, non, mais ça sera jamais réparé, ça. Ouais, non, c'était pour l'anniversaire de Florence, j'ai fait une surprise. Avec Laurent Romeshko, parce que je sais qu'elle est assez aficionado de la personne. Je vais faire un petit truc, hein. Et la playlist, c'est toujours la musique du jeu, ouais. Bon, attends, on va donc régaler le minot, là. Le gamin, on va le régaler. Regardez bien ça. Et ce sera la dernière journée. Et ce sera la fin de cette OP, messieurs, dames, sur ce jeu. Parce que des amis m'attendent afin que nous puissions jouer à Overwatch 2. C'était qui? C'est lui. C'est lui. Il va pas comprendre, hein. Il va pas comprendre ce qui va se passer, hein. Regardez bien. Regardez bien. La lime va jamais tenir. Si, si. Aucune idée. C'est une combien? C'est une 3080. C'est une 3080. Ah, je peux pas. Il lui manque quoi? J'ai fait de la merde? Oh, ah, ah. Boîtier incomplet? Pourquoi? Ouais, j'ai pris la carte graphique de mon PC pour lui mettre. Ah putain, pour la vitre. Oh là là. Genre, on peut pas lui allumer le PC sans la vitre. Non mais on est où? Exact, pardon, excuse-moi. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. Oh, je vais overclocker. Non, ça va exploser. C'est vraiment un fan de pirate, quoi. Ok. Eh, ça marche, hein. Oh, il va être refait. Je veux juste tester un truc quand même avant. Je mets une petite clé USB. Petite clé USB ici, hop. Je vais quand même tester un truc de perf ici.
dans quel monde ça marche. En vrai, j'ai pas regardé le reste, hein. J'ai pas regardé le reste des caractéristiques, j'y connais rien. Déjà, juste ce fond d'écran n'a aucun sens, voilà. Et donc là, attention, le test, c'est parti. Pour le moment, c'est propre. Ça monte tranquille, 64 degrés Celsius maximum pour la carte graphique, oui c'est bien. C'est bon. Le PC est de retour dans 2 mois, c'est sûr. Bah là, regardez, j'ai une appli, comment elle s'appelle déjà l'appli? Pour moi, on est bon. Petit overclockage? Allez, tu m'as chauffé. Allez, tu m'as chauffé. On overclock le tout. Pas de soucis. C'est quoi comme application? Ça a l'air trop bien, c'est OCCT. Hop, on active ça, on applique. Ne faites surtout pas ça chez vous, messieurs, dames, c'est... Attention. Attention, c'est parti. Attention, c'est maintenant. Ne faites pas ça chez vous, hein. C'est un jeu de simulation, hein, on le rappelle. Hein. C'est un jeu de simulation. C'est mon métier, hein, aussi de jouer. Oh, oh, oh. Et ben voilà. Et ben voilà. Je lui ai miam les cartes graphiques. Je lui ai offert juste une bête de guerre ici. J'ai plus qu'à... Attends, je l'ai peut-être... Ouais, mais y a pas besoin de l'éteindre, regardez. Vous allez voir. Hop, allez. Et voilà. Et ça, ça part. Nickel. Tu devais pas tester le jeu? Non, c'était pour un autre, le jeu. C'était pour lui. C'était lui, ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est... C'est nickel. Bah, j'ai fait ce que j'avais à faire, moi. Ça a l'air si simple que je vais sur mon propre PC de ce pas. Faites pas n'importe quoi. Tranquille. Tranquille. Non, bah voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette opération special autour de PC Building Simulator. Honnêtement, c'est trop fun. Honnêtement, c'est vraiment très, 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 très fun. En plus, moi, je fais peu de jeux de gestion en ligne. Donc, vous avez pas trop. En live, pardon. Donc, vous avez pas trop l'habitude de me voir faire des jeux de. Putain, je vais pas récupérer ça, quoi. C'est les deux cas graphiques. Donc, vous avez pas trop l'habitude de me voir faire des trucs. Mais c'est. Vous savez pourquoi je fais peu de jeux de gestion? Et je crois que vous avez la réponse en image. Ça fait 3 heures que je fais n'importe quoi, je suis désorganisé, je suis du père. C'est trop grave, hein. C'est trop grave, moi je suis catastrophique, hein. Ah ouais, non, c'est trop trop grave. Je pense que je suis la pire personne au monde pour être organisé. Vraiment, c'est pas une vanne, hein. Merci Hugo. Je te remercie, mec. Merci Hugo pour le disabri, c'est gentil. Mais ouais, j'espère que vous avez kiffé cette session. Alors j'ai vu des gens me demander si je vais y rejouer en vrai, de vrai, de vrai. Là, c'est une question de temps plus qu'autre chose. Franchement, si j'avais pas beaucoup de jeux en cours... Merci Lysium aussi qui offre 5 abonnements. Franchement, si j'avais pas masse jeux en cours, je pense que j'aurais fait au moins une session dessus. Mais là, j'ai... Après, tu me diras, le jeu, il existe. Et aussi, il y a beaucoup de mises à jour à venir, je précise. Donc je me dis, peut-être dans un moment, potentiellement, je pourrais avoir un petit peu le temps. Franchement, why not? Mais le truc, c'est qu'en ce moment, vous avez bien vu, c'est l'enfer, j'arrive même pas. Je suis obligé de décaler des Elden Ring, des Temtem pour continuer à avancer, c'est chaud, hein. C'est chaud, tu vois. Merci, Nicoline. En 2023, au pire. En fait, j'aimerais bien faire un peu plus de jeux de gestion en live, en vrai, j'aimerais bien. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je suis rattrapé par mes plannings, tu vois. Un peu de PC Building Simulator entre des games de Malenia pour se détendre. En vrai, c'était trop bien. En vrai, c'était trop trop bien, j'ai trop kiffé. Et gros big up à la bande-son. Elle est incroyable. Je suis vraiment, je vous jure, je vais récupérer tellement de sons pour les mettre soit dans la radio, soit dans mes sons de l'ambiance de... Genre ça là, ça c'est radio. Hein. Ça là, c'est radio. Hein.
Est-ce qu'il continue le live ou il coupe pour jouer à Overwatch? Non, non, je vais continuer le live. Ouais. J'aime trop. Voilà, petit rappel, PC Building Simulator 2 disponible sur l'Epic Game Store, 10% de réduction jusqu'au 1er novembre. C'est un jeu qui va avoir une durée de vie d'à peu près 30 heures sur la campagne solo. C'est un jeu qui est en partenariat avec plein de marques de composants. C'est des vrais trucs, hein. c'est pas du tout fake ni quoi que ce soit. Ça respecte vraiment le fonctionnement d'un PC. Voilà, vous avez tout. C'était vraiment cool cette OP. Ouais, c'était vraiment très cool. De toute façon, de manière générale, je vais pas vous mytho que j'accepte pas une OP s'il me semble pas que le jeu va me plaire ou en tout cas qu'on va pas y passer un bon moment, tu vois. De toute façon. Les tapis de souris de gaming. Oh, les souris. Ok, j'allais dire autant, il y a la mienne. Let's go. come on. Oh le banger. S'il y avait ta souris rose. Il y a pas tout le monde qui connaît ma souris rose. Hein. Ce banger là. Est-ce qu'il y a du PVP? Gore, tu viens vraiment de me demander si ça va être du PVP, ouais. Il me saoule. Est-ce qu'il y a du PVP? J'en peux plus. Vu comment t'as massacré le PC de l'artiste, oui, en quelque sorte. Non. Mais non. Tranquille. Merci Kanda. Merci Chichou aussi. C'est pas ton clavier sur la vitrine de gauche en haut à droite? Là-haut? Non, parce que moi mon PC il a pas de pavé numérique. Et non, c'est pas lui en vrai. Messieurs, dames, je go sur Overwatch. Je reste en live pour Overwatch. On switch directement de jeu. J'ai pas envie d'arrêter la musique, donc je suis un peu gêné parce que je suis en mode, ben oui, mais si j'altab. Vitrine de gauche, j'ai dit. Ah merde, pardon. Vitrine de gauche. Putain, là ? Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas comme ça. Ça aurait pu, mais en fait, moi, mes touches sortent pas comme ça. Ok. Yeah. Ok, l'autre gauche. Putain, le PC il a pris de la... Le magasin il a pris de la gueule en tout cas. Yeah. C'est mon premier message en avant, j'ai la pression, je voulais te remercier Ponce ainsi que vous Bellefleur de m'avoir accompagné pendant une période difficile indirectement. Tes lives, la bonne énergie du chat m'ont aidé à retrouver espoir, motivation. Aujourd'hui je me suis lancé dans le stream pendant mon temps libre, j'adore ce partage que je peux avoir avec les gens. Merci Ponce, et vous les fleurs. En difficulté, ne lâchez jamais rien. Bisous à toi Bobsy Boobs. Trop bien si tu te régales. Et c'est bien. Genre si vous voulez streamer, c'est trop bien je trouve de se lancer dans le temps libre, tu vois, quand tu peux, quand t'as une petite fenêtre, boum, tu live et tu kiffes, tu vois. Putain, j'ai pas envie d'arrêter la musique, mais je dois alt-tab. 1, 2... J'ai alt-tab. Je suis obligé. J'ai pas le choix... Ouais. Créer le jeu, il y a une boîte de compte qui est payée aussi.